Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais j'en ai déjà fait une ce matin, mais c'était l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc comme on est mardi, je vais faire une autre vidéo. Mais là en fait j'avais prévu de vous tourner une vidéo. Donc celle que je tourne actuellement, n'était pas prévue initialement. Donc vous aurez 3 vidéos aujourd'hui, voilà. En même temps c'est Noël, donc c'est la période de Noël, donc c'est un cadeau que je vous fais. Cette vidéo, c'est... Donc le sujet, c'est les décos de Noël. Je vous fais un avant-goût. Je passe rapidement. Voilà. Donc, voilà. Sapin artificiel. Voilà. Qui est à 1m80. Je dis à 1m80, mais alors par contre, je me fous bien de leur tronche parce que 1m80... Ok, c'est pas 1m80 du tout. Parce que moi... Apparemment, c'est ça qui fait un 80, c'est genre le sapin seulement, sans le pied. Mais j'ai envie de dire non, quoi. Non, 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 et mille fois non. Parce que déjà, quand il était en magasin, il m'arrivait mais à 10 cm de moi, alors que 1m80, c'est... 20, je crois que c'est 22 cm, si je ne me trompe pas. Enfin bref. C'est un peu plus que moi, c'est beaucoup plus que moi, parce que moi je fais 1m58, 1m80 c'est plus. Donc, où est-ce qu'ils vont le chercher, je sais pas. Enfin bref, ça devrait passer dans mon salon, ça devrait aller. Donc voilà, mais il est comme ça. Il est artificiel, donc ça va, il va pas perdre ses épines, tout va bien. Donc il m'a coûté 49,90€. Ensuite, je vais vous montrer donc les décos de Noël que vous avez aperçus en spoil, je dirais. Donc je vais commencer par ce qui va aller... Ici, donc en haut du sapin, donc c'est un nœud bleu pailleté. Il m'a coûté 80 centimes. Et donc, il s'attache comme ceci avec des liens comme ça en plastique. Il n'y a pas de marque. Mais 80 centimes. Et il est vraiment pas cher. Toute ma déco, en général, c'est pas cher. Ça dépasse pas. Ça dépasse pas. Le plus cher, c'est 2,50€. Donc, franchement, c'est génial. Donc ensuite, on passe à deux achats qui ont le même prix, c'est normal parce que c'est la même chose, parce que c'est pas la même couleur. C'est des boules de... Enfin, pour le sapin, donc des boules de Noël. Donc en fait, j'avais prévu d'en prendre des plus petites, mais les plus petites déjà, il y avait que des tout pailletés, donc des tout comme ça. Des tout comme ça, pardon, il n'y avait pas de bleu, déjà. Et en plus, tout simplement, on me voit dedans, bonjour. Déjà, il n'y avait pas des tout, enfin, il y avait que des tout pailletés, donc c'est chiant des tout pailletés. Et les liens n'étaient pas déjà attachés, donc c'est chiant. Donc j'ai trouvé celles-là. Mais elles sont pas mal, hein. Elles sont jolies, elles sont sympas. Donc vous avez deviné un peu la couleur de ma déco. Désolée, j'arrive pas à parler. Vous avez deviné la couleur de ma déco. Donc à partir dans les tons bleu argent, un peu bleu glace et argenté. Voilà, bleu glacé argenté. Voilà, c'est tout simplement. J'ai pas, ça me rappelle que j'ai pas pris assez de déco bleu argent. Enfin bleu glace. Oh non. Zut. De toute façon, à mon avis, je vais devoir repartir à Zodiou certainement pour reprendre des décos parce que j'en ai pas assez. Je pense je vais voir. De toute façon, en faisant le sapin, je vais voir qu'est-ce que je. À mon avis, je vais en reprendre. Hein. Je pense. Parce qu'en fait, à la base, je pensais prendre un petit sapin de 1m50, mais j'ai craqué sur celui-là, le grand de 1m80. Donc je pense que je vais en reprendre. Alors ensuite, ensuite on a les cheveux d'ange. Donc pour mettre un peu partout sur le sapin à 2,50€. Vous voyez le prix qui est ici. Donc 2,50€. Donc faites enchanter. Voilà. Je trouve que ça fait beau dans le sapin. J'en avais déjà, sauf que en fait ils étaient comment dire. Dorés en fait, ils étaient orange, n'importe quoi, ils étaient jaunes, donc ça n'allait pas avec la déco que j'ai pris, c'était pas en raccord. Enfin bref, ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer ensuite? Ah oui, la guirlande scintillante. Donc comme vous voyez, je suis partie vraiment sur une déco givrée glacée. Voilà, donc il a coûté 50 centimes cette guirlande, elle fait 2 mètres, donc il est marqué dans toutes les langues Joyeux Noël. Voilà. Et c'est comme ça. Hein. Voilà.
Donc elle est tout en longueur. Voilà, je vais voir ce que ça donne, mais je pense que je vais essayer d'en retrouver une bleue glace. Parce que en fait j'en ai qu'une comme ça. Donc je pense que je vais essayer d'en retrouver une bleue glace. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à vous montrer? Ah oui, le sujet. Petit sujet pailleté. Voilà. Parce que comme je suis chrétienne, donc c'est un ange, c'est pour rappeler un peu pourquoi on fête Noël à la base. C'est pour la naissance de Jésus. Donc voilà. Donc c'est un ange qui veille sur nous tout au long de la période de Noël, je trouve. Et voilà. Je trouve que c'est trop beau. Donc il m'a coûté 40 centimes, voilà. Par contre, à Auchan, n'allez pas à Auchan parce qu'en fait, c'est gonflant, il n'y a pas les prix sur les trucs, déjà il n'y a pas les prix sur les étiquettes et il n'y a pas les prix sur les boîtes dans lesquelles sont renfermés les articles, comme ceci par exemple, ou comme l'article que je vais vous montrer juste après. Donc n'allez pas à Auchan parce que c'est gonflant, il faut tout le temps aller aux bornes des prix pour se renseigner sur les prix. Voilà quoi. Enfin bref, passons. Ensuite, j'ai pris un truc, j'ai complètement craqué. Ça va être pour certainement le meuble pour virer une déco immonde que je trouve immonde en fait. C'est un petit hérisson paillette. Vraiment trop chou ce hérisson. J'ai vraiment craqué. Pour l'instant, je le laisse en paquet, hein, dans le paquet en fait. Oh, watch. Les trucs sont en train de se barrer, les paillettes. Je suis dégoûtée. Faut que je fasse attention. Donc voilà, il fait 22 cm, c'est marqué sur l'étiquette, je pense que vous allez voir. Et lui m'a coûté 2,50€, voilà. Mais de toute façon, même s'il m'aurait coûté 5€, je l'aurais quand même pris parce que franchement, j'ai craqué dessus, il me le fallait. Je ne repartais pas sans, c'était mort. Donc je ne pouvais pas. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et donc vous en aurez donc encore une autre vidéo tout à l'heure. Et je ne vous révèle pas tout de suite c'est quoi le thème de mon autre vidéo. Et donc tous mes achats, je sais pas si je dis est-ce que je vais recommencer cette vidéo, ça m'a coûté 61€, voilà, donc c'est ça. Oui, donc j'ai mis les enfoirés à la télé, c'est ça mon fond pour l'instant. C'est le dernier, cette émission enfoirée, donc la dernière version, là où Kenji et Amir étaient dedans. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que moi j'ai un peu de boulot, je vais commencer à monter le sapin, je vais peut-être pas mettre les décos tout de suite parce que je vais peut-être le mettre là. Et si ma mère n'aime pas l'endroit, ben je vais devoir le bouger, donc je vais peut-être pas mettre les décos tout de suite. Sur ce, je vous laisse, bye. Et vous en aurez donc encore une vidéo aujourd'hui. Allez, bye.